Une livraison, Andy. Oh, Andy ! Oh, mais c'est dingue ! Attendez. Tu es 100 fois plus ravissante. Attendez. Qu'une centaine de roses blanches. C'est un slogan. Il est dans la publicité. Ça laisse des marques. Et tu penses qu'il est accro ? Je pense qu'il a trouvé les invitations. Tu veux dire que tu as laissé les deux billets dans le sac ? Oui. Alors là, tu ne joues plus du tout dans la même catégorie. Tenez. Merci. Andy Anderson. Salut, beauté. Devine ce que j'ai eu. Un arrivage massif de splendides roses blanches. Ça me faisait plaisir. J'ai passé une soirée formidable hier. Ton sac à main est ici. Ah, je sais. Des fois, je me demande où j'ai la tête. Tu veux sûrement le récupérer. T'as toutes tes affaires. De l'argent, des cartes de crédit. Et deux billets pour le match des Knickerbockers. Est-ce que tu te serais permis de farfouiller dans mon sac, Ben? Oh, absolument pas. C'est Tony, mon directeur artistique, qui est une vraie godiche qui l'a renversé. Oui, c'est vrai, je suis très maladroit. Oui, mais je regrette, je vais voir le match avec quelqu'un d'autre. Non, plus maintenant. Tu veux me faire croire que t'as laissé ton sac chez moi complètement par hasard? Non, inconsciemment, tu meurs d'envie qu'on voit ce match ensemble. Et crois-moi, jeune fille, un désir refoulé représente un réel danger pour la santé. Ton discours de psy, ça marche vraiment avec tout le monde. À toi de me le dire. Andy, t'es dur. D'accord, retrouve-moi à l'entrée de la 7e avenue. À 7h30 et sois pas en retard. J'y serai. Bye bye. Bye. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Faute sur le numéro 20, Allen Houston. Pourquoi tu siffles ? Il faut sanctionner l'équipe adverse aussi. Oh, quel plein de nouilles ! T'étais une larve l'an dernier, là, t'es toujours une larve ! Non, mais qu'est-ce que je dis, là ? C'est ça, vous avez raison. Prenez votre temps, les gars. C'est bon, ça va aller. 20 secondes, d'accord.